Quelque part sur cette planète, existe une ville qui aurait quelque 80 000 bâtiments abandonnés. C'est Détroit, Michigan, États-Unis. Nous, nous sommes trois gars de Bruxelles et on adore les lieux désertés. Alors Détroit, on va l'explorer pendant 8 jours. Aujourd'hui, la ville est bien loin de son glorieux passé. Ce paysage bucolique est trompeur. Nous sommes dans la troisième ville la plus dangereuse du monde. L'idée de ce voyage nous rendait un peu nerveux. Cette actualité aurait dû nous décourager. Mais notre motivation était trop grande. Détroit, c'est quand même la capitale de l'urbex. Oui, de l'exploration urbaine. L'urbex consiste à visiter des lieux construits par l'homme, abandonnés ou non, en général interdits ou difficiles d'accès. Entrons tout de suite dans le vif du sujet et visitons une usine d'une marque automobile oubliée. Des bâtiments aux fenêtres barricadées, des terres en friche, des trottoirs fissurés vides de piétons. Tel est le spectacle qui se répète à l'infini tout le long de la grande River Avenue. Ce désert urbain nous fascine. Chaque coin de rue raconte une histoire que nous voulons capturer.
que s'est-il passé dans cette ville qui incarnait le rêve américain? Comment a-t-elle perdu les deux tiers de ses habitants? Deux événements majeurs ont contribué au déclin de Détroit. D'abord, des émeutes raciales en 1967 ont accéléré la fuite de la classe moyenne, emmenant avec elle ses entreprises et ses impôts. Ensuite, l'industrie automobile locale, avec ses ouvriers grassement payés, n'a pas su s'adapter au nouveau marché. Fermeture des usines, délocalisation, chômage, dépeuplement, effondrement des recettes fiscales. Détroit est en déclin depuis 60 ans. En 2007, c'est le coup de grâce. La crise des subprimes touche Détroit en plein cœur. Un des symboles économiques de Détroit, sa gare imposante, n'est plus qu'un fantôme de pierre. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Ok, alors voilà. David s'improvise guide. Il n'a rien préparé et quelques rectifications s'imposent. On est en fait ici devant la gare de Détroit. Son nom exact est Michigan Central Station. C'est un lieu très symbolique de la ville. Ah non David, c'est le symbole du déclin de la ville. La gare est abandonnée depuis plusieurs années. Depuis 1988, ça fait quand même 27 ans. Probablement, elle a été... elle est occupée à être rénovée. L'électricité a été rétablie en 2012. Et maintenant, on lui remet des fenêtres. Dans tous les cas, elle va être convertie en quelque chose. Quelque chose est le bon terme. En fait, personne ne sait encore quel usage lui donner. C'est un sublime bâtiment. C'est vraiment très 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 beau bâtiment. Mais du coup, évidemment, pour nous, ça va être un peu moins évident d'y rentrer, voire pas possible du tout. Parce que ils ont fait un bon grillage quand même. On a vu une ouverture un peu plus loin par laquelle on pourrait se faufiler en dessous. Le seul souci, c'est qu'il y a une caméra qui est juste au-dessus. Même si elle est factice, ben évidemment, ça nous froidit un petit peu. Voilà, donc probablement j'irai tout seul. Non, je plaisante, je n'irai même pas tout seul. Pour dire ici, il y a la rame de train qui passe au-dessus. Et en fait, cette rame de train, ils ont carrément bétonné les entrées là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas accéder à la rame de train. Donc, autant dire, parce que c'était une gare ici avant, donc forcément, les rails de train donneront sur le bâtiment. Mais voilà, donc... Tant pis. Exactement. Voilà. I forgive you, mother. I can hear you. See us again. Une voiture pour chaque habitant. Telle était l'utopie de la capitale de l'automobile. Pourtant, en roulant sur la Woodward Avenue, nous longeons la future ligne de tram de 5 km. Voici un siècle, la ville avait le plus grand réseau ferroviaire électrique du monde. Plus de 1200 km de lignes de tramway transportaient les gens dans toute la métropole. Au rythme du chantier actuel, il faudrait 8 siècles pour reconstruire ce réseau. Même en plein centre, les signes d'abandon sont là et attirent nos pas. L'endroit est si calme qu'un magazine l'a élu comme le quartier idéal pour prendre sa retraite.
On va visiter le Bloblo Dock. L'Urbex en 4 étapes. Un, rouler au ralenti pour repérer le meilleur accès. Les virages ont l'air assez modernes quand même. Ouais, ça oui. Ouais, il est bien cadenassé, hein, le Bloblo. Bah là, on fait un deuxième passage. Ça a l'air d'être bien barricadé. Deux, parquer la voiture au loin. Trois, entrer sous les lieux le plus vite possible sans se faire repérer. Eh bien voilà, il y avait un trou en bas de la grille, on a su passer sans problème. On rentre dans l'usine. Quatre, visiter chaque étage en montant jusqu'au toit. Sortir de la grisaille des steppes urbaines, quoi de mieux qu'un hôtel rose façon Walt Disney. Un lieu reposant et surtout un QG pour préparer nos journées. Chaque matin au petit déjeuner, c'est le même rituel. La planification de la journée. 8401. Et c'est dans Michigan, 48228. Une école ici. Une usine là, c'est la maison. Un quartier pour terminer, si on a le temps. Explorer Détroit ne s'improvise pas. Quoique, une bonne surprise en chemin, cela arrive. Comme cet immeuble Art Déco croisé sur notre route. Je m'arrête ? Ouais. Plus loin, là-bas. On va le visiter ? On tente le coup alors ? Ouais, oui. Vu qu'on est là. Like your blunts, light it. Pack your poles like your blunts, light it.
C'est Brent, 26 ans, étudiant à Détroit. Parmi les habitants contactés sur Instagram, il est le seul qui accepte de nous rencontrer. Nous le retrouvons une première fois au zoo abandonné de Belle-Île. On est au zoo abandonné de Belle-Île. Mauvaise nouvelle, il semble qu'il y ait une réunion de Deloitte dans le zoo. On a vu passer des gardiens. On a réussi à avoir un rendez-vous avec Brent et on l'attend. On va voir avec lui ce qu'on va faire. Et voilà Brent. Hello Brent, how are you? C'est un petit moustique qu'on a dû mettre. Yes. En parcourant le centre de Détroit, on est surpris par le nombre de parkings quasiment vides. Que font-ils là? Brent nous explique. Détroit compte deux stades. L'un pour le baseball, l'autre pour le football américain. Les jours de match ou de concert, tous les parkings sont pris d'assaut. Gérer un parking est donc un bon business. Il ne faut donc pas s'étonner que l'on transforme un magnifique cinéma en parking. Thank you.
Détroit détient un record étonnant, celui du plus grand nombre moyen de vitres dans le champ de vision d'un habitant. La raison ? La hauteur des bâtiments de la ville varie. Une tour de 73 étages, un parking, un immeuble de 7 étages, un parking, une tour de 25 étages, encore un parking. Cela laisse de nombreux trous et donc de nombreuses vitres dans le champ de vision. Cette étude sociologique peut vous paraître futile, mais ces 3000 regards potentiels créent une pression sur ses habitants, 15 fois plus forte qu'en Europe. Avec ses 220 mètres, le GM Renaissance Center est donc un véritable marteau social. Le GM Renaissance Center est le symbole de Détroit. Composé de 5 tours et de 2 buildings, l'ensemble totalise 511 000 m², ce qui en fait le plus grand complexe de bureaux du monde. Rénové en 2003 pour 500 millions de dollars, la visite de ce complexe nous offre un retour à la modernité qui nous fait du bien. Le sol est lisse, il n'y a pas de courant d'air et nous ne devons pas grimper les étages sur un escalier en ruine. Le complexe appartient à General Motors qui a installé son siège social. Mais la tour centrale est occupée par l'hôtel Marriott dont le restaurant panoramique occupe le dernier étage. Nous nous y rendons accompagnés de Brent qui tiendra la caméra et nous montrera que les Américains sont vraiment cool. Oh, you're in the video. Oh, excuse me. Say hello to the video. Hey. Hey. Yeah. Prenons de la hauteur pour observer une particularité de Détroit. Son plan des rues ne suit pas le quadrillage typique des villes américaines. En effet, après le grand incendie de 1805, les architectes ont voulu dessiner les rues en rayons suivant le plan utilisé à Washington DC. Mais la population rejeta ce modèle innovant, qui ne fut alors que partiellement exécuté, donnant ainsi un plan des rues déroutant les visiteurs. On survole les deux stades, on traverse la Fisher Freeway qui marque la fin du downtown, et nous voilà dans le plus ancien quartier de la ville. Ou du moins, ce qu'il en reste. Au 19e siècle, ce quartier s'appelait Little Paris. Mais de ces 300 belles maisons de l'époque, il ne reste que 80 structures. La moitié des habitations sont encore occupées, offrant un paysage surréaliste de maisons coquettes voisinant avec des ruines et des terrains vagues. C'est sans doute en voyant un tel lieu qu'un entrepreneur a voulu créer, en 2012, un parc d'attractions zombies.
Site, le coin le plus infréquentable de Détroit, un quartier a décidé de se transformer en projet artistique à ciel ouvert. C'est le projet Heidelberg qui porte le nom de la rue principale. Le projet fut lancé en 1986 par l'artiste Terry Geaton. Hélas, depuis 2013, des incendies volontaires ont détruit une douzaine de maisons décorées. Attirer les touristes ne plaît sans doute pas à tout le monde. Fisher Body Plant 21 est un best-seller de l'urbex et c'est le seul endroit où nous croiserons d'autres visiteurs. Son nom vient de la famille Fisher qui, au début du XXe siècle, fournissait les carrosseries pour les plus grands constructeurs. Il existait 40 usines et nous sommes dans la 21. Malgré 1 million de dollars de travaux, l'usine est toujours considérée comme contaminée. Mais nous n'allons pas rebrousser chemin pour si peu. D'autant plus qu'ici se trouve un endroit bien connu, un tournant de rails de montage photographié par les urbexeurs du monde entier. Le site serait à vendre pour 300 000 dollars et les Berlinois aimeraient le transformer en temple de la techno. Rappelons en effet que Détroit est un des berceaux de ce mouvement musical.
Salut, moi c'est David. Je suis le plus jeune de la bande. Ouais, je vous dis ça parce que les autres, vous allez voir, c'est pas très gay. Wow. Ouais, rien que la nuit, j'ai l'impression de dormir dans un tracteur et une tronçonneuse. Non, je vous dis pas, hein, c'est pas ça, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, je sais bien. Mais c'était la seule solution pour moi d'aller à la piscine. Parce que sinon, Paul, il veut jamais venir. Ah oui, ça, le fun, attention, hein. On arrête tout de suite, hein. On n'est pas là pour s'amuser. Enfin, sauf quand on visite des ruines. Là, on a l'impression d'être à Disneyland. Mais en fait, Rubex, lui, ou merde. Donc, non, je vous assure, c'est vraiment pas ça, quoi. Mais vous allez voir ce qu'ils vont dire. En tout cas, moi, une vidéo du jour, hein. A tout à l'heure. Eh bien, mon sentiment pour cette première partie du séjour, on a fait pas mal d'urbex. L'urbex, ça me stresse un peu, je ne vous cache pas. La deuxième partie du séjour, on a encore plein de choses à voir. Ben, j'espère que ce sera un petit peu moins stressant, parce qu'aujourd'hui, on s'est fait chasser du Grand Stade par un garde sécuritas qui n'était pas vraiment très cool. Donc, ça ne nous met pas vraiment en confiance. On verra bien. Voilà. La parole est à Olivier. Voilà. Alors, mes impressions de ce voyage, c'est génial. C'est l'aboutissement d'un rêve qui a commencé avec David, qui s'est poursuivi avec l'arrivée de Paul. 2 ans qu'on parle de faire ce voyage. Et là, maintenant qu'on y est, eh bien, c'est du tout grand. Vraiment un grand moment d'urbex, d'aventure, de penser que je fais ça avec David et Paul, c'est géant. Voilà. Bon, je vais les retrouver parce qu'ils me manquent déjà. Revenons sur cette aventure qui a tourné court et qu'on espère ne pas revivre lors de nos prochaines explorations. Alors là, on arrive au Pontiac Silverdome. On ne sait pas si on va pouvoir y entrer. Le stade va bientôt être réhabilité, donc à notre avis, il est pas mal surveillé. On va bien voir. Donc voilà, on n'a pas été loin. Si, on a été loin sur le parking. Ouais, on n'a pas été loin. Il y a une SUV qui a déboulé à toute vitesse. Avec un gros garde bien méchant. Je sais pas s'ils sont encore derrière. À mon avis, oui. Voilà. On nous a à l'œil. Et même le baratin de David n'y a rien changé. Son truc de movie. Après cet échec, visitons un autre géant abandonné de Détroit, surveillé par un garde qui, cette fois, ne nous trouvera jamais dans ce véritable labyrinthe. Alors là, on arrive à la fameuse usine Packard. Avec la fameuse arcade. Préparez-vous à tourner à gauche, Concord Street. Ouais. Cette usine est considérée comme la plus grande fabrique abandonnée du monde. Il y a 47 bâtiments, sur une surface équivalente à une trentaine de terrains de football. Au début du XXe siècle, au sommet de sa gloire, les 40 000 ouvriers de l'usine produisaient 75% des automobiles du monde. C'était la plus moderne de son époque. Aujourd'hui, ce bâtiment fait partie des 42 000 autres lots à saisir par la ville suite au non-paiement des taxes municipales. La démolition d'un tel monstre coûterait 20 millions de dollars. Mais il ne faudra pas en venir là. Un investisseur péruvien a entre-temps racheté l'usine aux enchères pour 405 000 dollars. Il veut la réhabiliter en appartements, bureaux, ateliers et centres d'art. En réalité, sans le savoir,
nous sommes sur un chantier entamé en 2014. Ceci explique la présence d'un gardien avec qui nous jouerons au chat et à la souris. Si l'on ajoute les bâtiments effondrés et les chiens errants, nous voilà embarqués dans une exploration urbaine plutôt pimentée. Alors David, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Eh ben en fait, on vient assister à un match de catch. Alors déjà qu'on a dû réserver une place parce que vous avez pu remarquer que c'est quand même assez rempli. Et Paul, grand prévisionniste dans l'âme, s'est évidemment mis dans le sens de la circulation pour éviter les embouteillages quand on partira. Parce qu'en effet, ça risque d'être un peu chaud aux boulettes quand même. Et c'est vrai que ce parking est très urbex. Hein. On reste dans la philosophie urbex. Bâtiment que nous visitons. Ça sent mauvais, le sol est jonché de débris coupants. On fait gaffe de ne pas tomber
mais nous aurons malgré tout un blessé dans nos rangs. Eh oui, Olivier se plantera un clou dans le pied. Pas ici, mais au coin de la rue, dans l'herbe folle. Les habitants de Détroit n'aiment pas que l'on vienne pour ces friches industrielles. Ils préfèrent partager leur riche architecture qui n'a rien à envier à Chicago ou New York. Nous, on aime visiter ces lieux encore vivants, sauf qu'ici, on n'est pas libre d'aller où on veut. Par exemple là, nous allons sur le balcon. Mais nous n'y restons que 12 secondes, le temps que les gardiens nous interpellent. On doit descendre. On doit descendre ? Ouais. La frustration sera pire au Guardian Building, où on ne pourra même pas filmer. Après ça, il ne faut pas s'étonner que l'on préfère visiter des usines abandonnées. Qui traverse le Michigan sur 339 km. Détroit est son terminus, où elle arrive en une ligne droite parfaite, presque au pied du GM Renaissance Center. Cette route, nous l'avons souvent croisée. Elle nous a toujours montré un paysage de friches et de bâtiments déglingués. Mais ici, c'est plus coloré. Nous sommes dans le Grand River Creative Corridor, une portion de la route où, depuis 2012, les artistes graffeurs sont invités à décorer les bâtiments. Quelques mois avant notre départ, sortait le film Lost River, tourné à Détroit. En toile de fond de cette fiction, une cité engloutie dont seuls les réverbères émergent de l'eau. Cette vision fantasmagorique, nous l'avons retrouvée, ou presque, à Belle-Île.
ici plus qu'ailleurs, notre fascination peut bien être qualifiée de rune porn par les habitants de Détroit. Ce quartier doit son nom à son ancienne communauté polonaise, venue travailler dans les usines et les abattoirs au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ce lieu a des allures de village western oublié. On peut y acheter une maison pour 500 $. Détroit compte plus de 25 000 maisons saisies, vendues aux enchères. Mais si vous en achetez une, vous avez une chance sur deux d'y trouver des occupants. Sur le toit d'une usine qu'on a vue au loin. On s'est juste parqué devant et on a monté dardard à toute vitesse. Et nous voilà sur le toit avec une vue magnifique. Voilà, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce bâtiment, une installation de stockage pour le chemin de fer. Et si nous sommes montés dardard sur le toit, c'est que nous avons entendu des voix à un étage. Finalement, le seul être vivant que nous croiserons est un chat. Tout comme les écoles, les restaurants et les quartiers, une quinzaine d'hôpitaux de la ville s'adressaient aux minorités ethniques. Celui-ci est le dernier hôpital noir dont la chute fut précipitée par la fin de la ségrégation raciale.
eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt dévasté, plutôt triste. Alors j'ai décidé de faire le film autrement. Je vais vous montrer des vues de Détroit au travers des chambres et des vitres cassées de l'hôpital. Il serait injuste de terminer ce film avec une vision si sombre de la ville. Retournons sur le bucolique front de rivière, là où nous avons commencé notre aventure, et visitons le centre, qui reste bien animé tant que le soleil ne se couche pas. Se passe avec Brent, qui nous fait découvrir un endroit étrange. What is the name of this place? The African Bean Gallery guy made this. The guy who owns the shop over here with the beads. I don't know what the name is. Okay. I'm sorry. Thank you.
Et voilà, c'est terminé. Détroit ne nous a pas déçus. Nous partons avec plein d'images, dans la tête comme sur nos cartes mémoire. Ou presque. Car nous n'avons finalement porté qu'un regard d'urbexeur sur cette ville. Or, c'est aussi une métropole qui, face à la misère économique, voit surgir des initiatives citoyennes mettant les valeurs humaines au centre de la cité. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ce n'est pas sûr que nous vous la raconterons, car d'autres villes nous appellent déjà.